Là, on a le iframe. Le iframe. On ne l'a jamais fait avec Odin et Sacha. Jamais fait, mais on va tester. Pour le plaisir. Ça va être marrant. Moi aussi, je vais me faire un petit déjeuner avec, avec des gaufres et des frangipanes. Et ça, là. Fais-toi plaisir. C'est cette espèce de V à l'envers. Et le chien doit passer d'un côté et repasser de l'autre. Enfin, un maximum de passages. Ils ne connaissent pas ça, ils vont découvrir ça maintenant. C'est la première. Ça existe dans pas mal d'endroits. Ici, nous avons Odin qui terminait de le faire pour la première fois de sa vie. Ouais, c'était sa première fois. Pendant cet exercice, chaque chien performe pendant une minute. Se repose pendant une minute. Et recommence pendant une minute à nouveau. Le travail entre le maître et le chien est très très important, autant que pour le résultat recherché que pour la sécurité du chien. C'est vraiment pas évident parce que le moindre de nos mouvements va influencer la direction et le rythme auquel le chien va grimper et descendre. Se retourner, grimper et descendre à nouveau. Dans cette discipline, on va beaucoup jouer sur le besoin du chien d'attraper son leurre. C'est un besoin moteur qui nous permettra de travailler le chien dans le jeu et de répéter l'exercice à plusieurs reprises. Ce jour-là, c'est la première fois que Odin et Sacha pratiquent du iframe. J'ai filmé immédiatement, il n'y a eu aucun essai auparavant. Pourtant, je suis assez satisfait du résultat, même si je sais qu'ils doivent encore améliorer beaucoup d'étapes pour utiliser tout leur potentiel dans un exercice pareil. J'ai pu constater que c'était moins facile pour Odin, qui est plus lourd et plus grand, mais il avait également la motivation et la condition physique pour réaliser toute la performance sans jamais s'arrêter, donc je suis resté quand même assez fier de sa prestation. C'est un exercice qui est extrêmement cardio. Avoir un chien qui performe deux fois une minute sans s'arrêter, pour moi, hein, ça c'est mon opinion, c'est déjà un indicateur d'une très bonne condition physique. Après, vous devez vous dire que la musculature du chien va avoir son rôle dans l'explosivité, mais aussi dans la stabilisation de chacun des mouvements qu'il exécute. Observons le deuxième passage. Le chien va devoir faire preuve de vélocité tout au long de l'exercice. Et bien sûr, il va avoir besoin d'envie et de détermination pour nourrir son endurance cardiovasculaire et son endurance musculaire. Le fait de pratiquer beaucoup de floor pool dans plein d'environnements différents est selon moi ce qui a permis à Odin et Sacha de s'adapter immédiatement ce jour-là. Car c'est vraiment, vraiment un exercice éprouvant. Si jamais vous êtes devant et que vous voyez le chien vraiment de près, vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est éprouvant. Pendant cette journée d'entraînement entre amis pour le plaisir en Belgique, on a aussi pratiqué du high jump, du wall climb, du treadmill et du drag pull sprint. Ce sont des journées qui sont bénéfiques pour apprendre et divertir nos chiens dans le jeu et passer des bons moments. Hmm? Ah, you wanna call? Think about. Hmm?
Si vous voulez entraîner votre chien à ça, faites de courtes sessions. Gardez à l'esprit que chaque atterrissage met les articulations à rude épreuve. Il ne faut pas paniquer, hein, car notre corps il est fait pour être utilisé dans tout ce dont il est capable de faire. Mais le mieux, ce serait de le faire sur du sable et de faire de très courts entraînements, maximum peut-être 2 fois par semaine. Si vous avez absolument envie d'entraîner la condition de physique de votre chien, il y a encore plein d'autres jeux pour le faire. Si vous avez apprécié, franchement, likez et commentez, parce que ça va servir à améliorer notre référencement sur YouTube. Et ça coûte rien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.